Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous allons capter, Inch'Allah, pour quelques sujets, dont le premier, c'est Sayyidat Zaman, la maîtresse du temps, c'est-à-dire la maîtresse de l'époque. Hein? C'est cette femme au Sénégal qui dit qu'elle a une révélation, qu'elle a un message, et qui donne des discours, les djinns parlent par sa bouche, et comme quoi que c'est une révélation de Dieu. Déjà, elle appartient à un groupe qui s'appelle les Layen, hein, qui sont des groupes vraiment très bizarres et qui ont déjà plein d'histoires de miracles, parce que j'ai déjà vu ça comme je suis passé au Sénégal. Ils ont plein de miracles bizarres, de trucs bizarres, et voilà maintenant que cette femme prophétesse ou porteuse de messages, et les djinns parlent par sa bouche en disant qu'une nouvelle ère vient, c'est la révélation d'Allah, etc. Et subhanallah, comment les musulmans sont autour d'elle, et puis vous les voyez avec leurs grands boubous et leurs chapeaux et tout, tout, tout. Vraiment, ça fait peur. Ça veut dire que les musulmans sont prêts à suivre Dajjal. Puisque Dajjal, lui, ce qu'il va faire, ce sera plus que ça. Ou bien. أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة برعات من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. Tu veux pas être musulman? Non. D'où viens-tu? J'étais avec elle. À Sayyidat Zaman. Oui. Qu'est-ce que tu faisais avec elle? On était dans cette affaire. C'est vous qui parlez par sa bouche? Oui. D'accord. Mais pourquoi vous faites ça? Elle veut le pouvoir. Oui. Elle a donné ce qu'il faut pour l'avoir. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a fait des sacrifices, elle a fait des offrandes, elle a fait beaucoup de choses. Quel sacrifice? Sacrifice des animaux. Oui. Je ne peux pas tout dire. Elle a fait des sacrifices humains. Je ne peux pas tout dire. D'accord. Ok. Et donc, vous êtes là en train de l'aider. On Oui. peut négocier, on peut vous faire une offre? On travaille pour sa venue, c'est normal. Pour la venue de Dajjal. Oui, on embarque le maximum avec nous. Vous embarquez le maximum. Oui, on en a fait une victime. Pour elle, en tout cas, elle croit qu'elle est exceptionnelle. Elle pense qu'elle est exceptionnelle. Mais nous, on l'a choisie. Ah, vous l'avez choisi. Oui. Expliquez-nous comment vous l'avez choisi. On est dans le monde des humains. Oui. On est à la chasse des personnes qui peuvent avoir des côtés voyance. Ah, vous cherchez les gens qui ont une capacité de communiquer Qui ont avec les des djinns. choses par rapport à leurs ancêtres, par Un rapport aux héritage de distances. sorcellerie et de pacte. Et on va vers ceux qui sont le plus Ceux qui sont le plus. capables à faire des Oui. choses. Ceux qui sont le plus capables. Et ceux qui ont l'ambition. Et qui ont l'ambition. Et on regroupe les deux, et ça leur donne du pouvoir, et nous, ça nous donne des personnes avec Mais quel est le lien entre cette dame et puis la venue de Dajjal? Eh bien, il faut beaucoup de gens qui le suivent, pas comme vous. Beaucoup de gens qui le suivent, ça veut dire que elle et ses suiveurs. Iblis nous a demandé Oui. de ramener le maximum pour sa venue. D'accord. Donc elle et ses suiveurs vont automatiquement suivre Dajjal. C'est ça. Parce qu'il y a l'esprit qui parle en elle. Et Oui. quand Dajjal vient, elle va dire que ah, l'esprit est parti là-bas. C'est lui maintenant qui est Dieu. Oui, ils vont tous être à ses pieds. Ils vont tous être à ses pieds. Donc c'est pour préparer la venue de Dajjal. Oui. D'accord. On peut te faire une Tu proposition. veux t'y joindre? Si je veux me joindre à vous. Oui. Ah, mais qu'est-ce que je vais gagner? Tu pourras gagner tout ce que tu veux, il suffira de te demander. Ah. Mais il faut prouver d'abord. D'accord. Donc une fois qu'on a fait le vrai pacte d'allégeance, on va gagner tout ce qu'on veut. Alors voilà ce que je voudrais, dis-moi.
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة Elle n'est pas unique. Il y a ceux qui le font ouvertement, qui se mettent à jour et qui passent dans vos trucs là. Et il y en a d'autres qui. Il y a ceux qui le font ouvertement, qui passent à Internet et dans les télés. Il y en a qui sont dans leur village et qui font la même chose. D'accord, sans doute. Mais qui croient vraiment qu'ils ont un don exceptionnel. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.